enfants. Allons-y. C'est un sentiment de fierté. C'est une joie immense qui m'anime en ce jour. Surtout que je suis du département aussi qui a piloté ce travail. Aujourd'hui, nous sommes vraiment fiers d'être encore Guinéens. Et nous espérons que c'est un projet parmi tant d'autres qui sera inauguré dans les plus brefs délais. Je suis vraiment très content. Je remercie le gouvernement de la transition, avec à la tête le chef de l'État, président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, ainsi que son hôte de marque aussi, son Excellence Monsieur Paul Kagame, qui a l'honneur d'être, dont l'ouvrage a l'honneur de porter son nom. C'est ce sentiment qui m'anime. Ça va améliorer la fluidité, si vous voulez, la mobilité au niveau de ce point, et par ricochet dans tout Conakry. Parce que c'est un point qui permet de joindre à la fois du Breka et Koya. C'est vraiment un hub. Donc ça va forcément améliorer la mobilité. Je suis content, heureuse aussi. Pour mon président, pour le président de la peuple aussi, c'est qu'il a fait aussi pour nous, parce que toute la Guinée, les citoyens, tous, eux tous sont contents aussi par rapport à le travail que le président a fait. Donc moi je remercie le président, il n'a qu'à continuer comme ça dans son pouvoir, il n'a qu'à continuer, c'est bon, c'est normal. La population est contente, heureuse aussi de son travail, on est content. Eux aussi, on reste aussi derrière lui, partout quelque part, on reste derrière lui dans son président. On aime beaucoup, Colonel Mamadi Doumbouya. On l'aime, merci beaucoup. À ce que tu as fait dans notre pays, on a vu aussi, merci beaucoup. Mais le le temps, katarabi e golleji ni sarji jire be no duudi hande mojjano o wallito en fe sécurité on parce que sécurité en wad dab gongol haray metafi o wallito en e fi kadi pression kadi ara pression ko libre hara vraiment a wawa wonde ko falada onana kanko mo way famude so famali wombe takuma be no way famude hara ko no nafirta jama har nafi no gere immoro ay tigi tigi on ko sen fotti si wawen développer. Se ndari di peji baalo wono Senegal ne no kelgo sinama do joni confirmant peji di yaltata hibe ndarde me do no be developer o kama be jande mango no ton tomate no de ton ara do peji ni fo wono min ko mi woni do mi no mari projet fi fagne fi peji pous golate do kono foko sa hebi api sa hebal api awa ta projet en ko femme active. Donc, si pige d'une faux d'arrêt, d'une faire conservation du nouveau, d'y avoir conservé, pige d'une autre quoi, conservé, pige d'une bonne entaille. En tant que citoyen guinéen, et voilà, moi, c'est un grand, n'est-ce pas, atout pour la population guinéenne. Et le fait que tout le monde s'est mobilisé, n'est-ce pas, d'ailleurs, venir, n'est-ce pas, accueillir, n'est-ce pas, le président de la République dans ce grand geste qu'il a essayé, n'est-ce pas, de mettre en place. Et ça y va dans l'intérêt de toute la nation. Et raison pour laquelle, n'est-ce pas, tout un chacun se déplace, n'est-ce pas, avec une grande joie, n'est-ce pas, de venir, solliciter, n'est-ce pas, ce travail que le président de la République, en l'occurrence, notamment précisément Mamadi Doumbouya. Nous sommes fiers pour tout ce qu'il fait pour cette nation, même si son travail est critiqué par, n'est-ce pas, d'autres personnes, mais il faut mettre en exergue que ce qu'il fait pour ce peuple aujourd'hui, n'est-ce pas, n'est pas à contester. Parce que nul n'est parfait. Tu peux voir quelqu'un, il exerce une activité, mais où il est dans l'exercice de cette activité, il y a toujours des compétences et des incompétences.
Donc, nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, s'apesantir beaucoup plus sur son côté faible. N'est-ce pas? Donc, ce qu'il fait, n'est-ce pas, comme avantage, nous devons l'apprécier. Et ce qu'il fait, la partie faiblesse aussi, nous devons souligner, mais tout en apportant, n'est-ce pas, des solutions à, n'est-ce pas, ce qu'il n'arrive pas à accomplir. Il n'a qu'à récompenser à nous ce qu'on est en train de travailler. Notre travail, c'est très dur. Et il n'y a pas de prime dans ce travail. On veut qu'il n'a qu'à nous récompenser, même si c'est un peu. Pour l'amour de Dieu.